la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Maman, t'es où? Eh oh maman, t'es là ou pas? Alors t'es là? Non, ici. Oh non, elle est partie, en plus elle a pris mon téléphone. Peut-être qu'il est caché là. Non, je pense pas. J'en ai marre. Il est là? Non. Attends, mais c'est sa tablette? Elle l'a laissée ici, je vais pouvoir y jouer. Trop cool. Mais attends, mais c'est quoi ces photos? Un doudou? Un lit? Des échographies? Mais c'est quoi ça? Quoi? Mais attends. Attends, mais toutes ces photos, ça veut dire qu'elle attend un bébé. Ça veut dire que je vais être grande sœur. Oh non, tout ce que je veux pas, j'en ai marre, j'ai pas envie. Non mais je rêve, c'est vraiment des photos d'échographie. Quand est-ce que ce bébé va arriver? En plus, il a l'air d'être déjà gros là. Oula! Ah bah Lily Rose, tu t'es cachée ici, je me disais bien que ça faisait quelques temps que je t'avais pas vue. T'as pas des nouvelles de Mama Pink là? Parce que ça doit faire au moins une heure qu'elle est partie et elle m'a pas donné de nouvelles, je sais même pas où elle est allée. Oui je sais, mais c'est pas ça le plus important. Regarde ce que j'ai trouvé dans sa tablette. Des échographies, des jouets, un lit. Non mais j'y crois pas, je crois que je vais devenir grande sœur. Oh non! C'est quoi ça? Me dis pas que c'est pas vrai, Lily Rose, c'est pas possible, je peux pas y croire. Mais ça veut dire que moi aussi je vais devenir grand frère. Et je veux pas. C'est toi qui as inventé ça. Tu fais ça pour me faire un prank, pour une vidéo où je sais pas ce que tu fais, mais je veux pas en entendre parler, débrouille-toi. Attends, mais Esteban, faut qu'on fasse une stratégie. Il est déjà parti. Pour moi, c'est assez ces histoires. Elle est partie, elle nous dit pas pourquoi, et d'un coup on découvre qu'on va être grand frère et grande sœur. J'en peux plus de cette maison, à chaque fois il se passe des trucs de fou furieux, des situations de fou. Allez hop, je mets mon manteau. Lily Rose peut se débrouiller toute seule pour quelques heures. Mama Pink devrait pas tarder à revenir. Ouais, en plus il est déjà 17h. Bon, allez, c'est parti. Lily Rose, je te laisse, je reviens dans quelques jours. Il est déjà parti, trop tard. Je dois rester toute seule maintenant. Je sais même pas quoi faire. Je sais pas comment faire, il y a que deux chambres dans cet appartement. À moins que je dois laisser ma place au bébé. Enfin bref, c'est trop nul, j'en ai marre. Bon, je pense que je vais demander à l'une de mes meilleures amies des conseils. Parce qu'elle a une petite soeur, elle pourra peut-être me donner des conseils. Bon allez, alors hop. J'espère qu'elle va répondre. Allô? Allô? Salut, ça va? Oui, c'est pour te poser une petite question. Ouais, vas-y, mais pourquoi tu m'appelles là maintenant comme ça là? En plus, à l'école, la dernière fois, tu m'as dit que t'étais plus mon amie parce que... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, t'as une petite sœur. Ouais, elle est trop embêtante. Et est-ce que tu pourras me donner des conseils parce que je pense que je vais devenir grande sœur? Bien fait pour toi. Moi, quand elle est née, j'ai dû donner ma chambre. Donc, c'était trop embêtant. Ouais, bah moi aussi, je pense que je vais devoir donner ma chambre. C'est trop embêtant, mais tu peux me donner des conseils. Et comment tu l'as su ton truc là? Bah, j'ai fouillé dans la tablette de ma mère là. Elle est partie. Bah bien fait pour toi. Tu m'as dit la dernière fois que tu m'aimais plus, donc tant pis. Mais non non non, s'il te plaît. Allez, débrouille-toi, ciao. Oh non, elle a raccroché, j'en ai marre. Comment je vais pouvoir faire? J'ai même pas de conseils. Pourquoi je lui ai dit ça la dernière fois? Je m'en rappelle même plus. En même temps, je me suis embrouillée avec elle avant les vacances. C'est parce qu'elle a eu une meilleure note que moi. J'allais pas laisser passer ça quand même. Je vais vider un de mes sacs et je vais mettre des choses utiles à l'intérieur. Allez, je vais prendre un sac. Hop, et je vais mettre des choses utiles, genre des habits, etc. Oh bah tiens, il y a déjà des habits à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je vais prendre encore un t-shirt. Je vais mettre un peu de nourriture à l'intérieur. Je vais essayer de rejoindre Esteban. Hop, comme ça au moins je serai pas tout seul. Bon allez, je vais mettre mes chaussures. Hop hop hop, j'essaye d'aller vite parce que si maman elle rentre, elle va se dire: ah mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Au moins avec Esteban, je vais faire des trucs bien, je vais m'amuser. Attends, qui m'appelle? Alors, qui m'appelle? Allô? Allô Lily Rose? Oui. T'es où là? Bah je suis dans ma chambre et je vais te rejoindre. Vite, mets-toi au fond de ta chambre et là, et ferme la porte de ta chambre aussi. Pourquoi? Allez, dépêche-toi. Mais pourquoi? Bon d'accord. Dépêche-toi. Je pars pas. Dépêche-toi, ferme la porte de ta chambre. Ok, bon bah... En fait, là j'ai vu Mama Pink, tu devineras jamais où elle est. Non, je sais pas. Elle est sur le parking, là, tu vois, de la personne qui fait les échographies, on passe souvent devant. Sérieux? Oui, donc c'est quasiment sûr que tu vas être grande sœur. Mais rejoins-moi vite. Et moi, grand frère. Ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi, là, parce que... Bah, au pire, on part... Enfin, là, j'étais prête à partir et à te rejoindre. Non, faut pas faire ça, elle va pas tarder à revenir, elle va s'en rendre compte, c'est sûr. Bon, d'accord, bah rejoins-moi alors. Je sais pas quoi faire. On va retourner avec Peppa Pink. Ouais, c'est vrai, pas bête. A few moments later.
Ah, c'est bon, Lily Rose, t'es là. T'as fait tes affaires en plus, c'est super. On a encore 10 minutes pour partir, alors finalise tout ça, prends ce dont t'as besoin et on va rejoindre notre Peppa Pink chez notre vrai nous. Voilà. Comme ça, on ne devra pas accueillir ce truc-là, ce bébé de je sais pas quoi. On sera libre, au moins. Allez, dépêche-toi. Rendez-vous dans le salon dans 9 minutes maintenant. Je finis de rassembler mes affaires, après je mets mes chaussures et on y va. Alors, hop, je vais mettre des habits en élastique parce que c'est important. Un pull. Oh, j'en ai marre. Hop, voilà. Et c'est bon, je vais mettre mes chaussures maintenant. Hop. Bon, allez, j'essaie d'aller vite parce qu'elle va bientôt arriver. Oh, c'est bon, je suis prête. Allez, vite, on y va. A few moments later. Voilà, donc là on est sorti, on part un peu en mode vlog rapidement pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. Donc là, Lily Rose, t'as bien trouvé les échographies et tout. Oui. Et moi, j'ai vu notre mère devant un truc d'échographie. Et là, on va rejoindre Peppa Pink, donc notre père. Et oui. Le problème, c'est que si elle le sait, si elle nous appelle, bah je sais pas ce qui va se passer. Franchement, je pense qu'elle va nous rouspéter. Oui. Donc franchement, je sais pas quoi faire. Attends. Il y a quelqu'un qui arrive. Il faut absolument pas qu'on se fasse voir parce que sinon il y a des gens qui vont rapporter et tout. Allez vite, dépêche-toi. Ouais. Vite, viens. Là c'est bon, on s'est posé dans un coin où il y a personne et j'ai envoyé un message à Peppa Pink, à notre père, en disant après toi nous recevoir. Ouais. Ne préviens personne qu'on est là et on espère qu'il va jouer le jeu. Pourquoi quand même ? Attends, c'est bon. Allô ? Il y a un avion. J'ai cru que c'est quelqu'un qui voulait nous observer. Allô ? Oui. Allô, oui, allô. C'est bizarre, il répond pas. Attends, c'est Pink. Attends, je l'entends. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'entends très mal. C'est quoi? Ne venez pas. Mais pourquoi il nous dit ça? C'est peut-être parce qu'on n'est pas censé venir. On n'est pas censé venir, mais il nous a dit ne venez pas comme si il était ultra inquiet. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut aller le voir, il faut aller. Ouais, mais allez, comment on fait? Il faut qu'il vienne nous chercher, on peut pas venir comme ça, on n'a pas de voiture là. C'est à au moins 10 km. Ouais, c'est vrai, bah on y va à pied, c'est pas grave. Ça nous prendra quelques heures, mais bon. Mais il va faire noir, il y a le couvre-feu. Ah ouais, c'est vrai, bah je sais pas moi. A few moments later. Bon, là vite, on est rentré chez nous parce que on n'a pas retrouvé notre chemin. Oui, non. Sauf que là, il y a Mama Pink, donc on a dû rentrer discrètement. Et bon, bah je pense qu'elle sait qu'on sait maintenant. Oui, du coup, on va aller la voir. Non, va lui demander. Va lui demander, je filme de loin, comme ça les abonnés pourront voir. Vas-y. Mama Pink! Viens. Est-ce que c'est vrai que Lily Rose elle va avoir une petite sœur? Est-ce que c'est non. vrai? Mais non. C'est faux. C'est faux. Bah oui, c'est faux. Bah c'est quoi les photos alors sur la tablette? Quelles photos? De Lily, de Doudou, etc. Lily Rose. De quoi vous parlez? C'était un prank. Non, c'est gênant. Bon, allez, les amis, cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye bye.